puissance de l'Esprit Christ nous délivre de la mort. Alléluia. En la puissance de l'Esprit Christ nous ressuscite les morts. Alléluia. En la puissance de l'Esprit Christ nous délivre de la mort. Alléluia. Jésus vient te donner sa vie. Alléluia. 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 Que brille sur toi sa lumière et la flamme de son regard. Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous salue bien cordialement, vous tous et toutes qui allez vivre avec nous cette célébration. Avec ce dimanche, nous entrons dans la dernière semaine du temps pascal. Entre l'Ascension et la Pentecôte, nous sommes invités à guetter les signes de la venue de l'Esprit. Cet Esprit qui nous donne la force de répondre à notre vocation de disciples de Jésus, appelés à devenir témoins de son amour au cœur du monde. Que vous soyez ici à la collégiale Sainte-Vaudru ou chez vous devant vos écrans, nous allons ce matin nous laisser porter par la prière de Jésus qui demande à son Père de nous préserver du mal et de nous garder dans l'unité de son amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends
Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde dans l'unité sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, regarde ton peuple qui veille en guettant les signes de l'Esprit. Donne-nous de savoir toujours discerner sa présence dans nos vies et dans la vie du monde où tu nous envoies en mission. Que la prière de Jésus nous garde dans la fidélité à sa parole et que ton Esprit nous donne l'audace d'être les vivants témoins de ton amour. Nous t'en prions, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il déclara : Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement
lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est le Fils de Dieu qui s'est fait l'un de nous. En rejoignant notre terre, il est venu partager notre condition humaine et se rendre solidaire de notre histoire. Quand le jour de l'ascension, il remonte vers son Père, il envoie alors ses disciples dans le monde pour s'immerger, pour y porter sa parole, qui est un message d'amour, de justice et de paix. Leur mission n'est pas de culpabiliser, mais de relever le monde, de l'humaniser. Les disciples sont appelés à être dans le monde comme un levain. Le levain se met dans la pâte. Si on le pose à côté, la pâte ne lèvera pas. Et l'évangile de ce dimanche nous rappelle que tout en étant dans le monde, les disciples de Jésus ne sont pas du monde. Et c'est pourquoi Jésus prie pour eux, car il sait que ses disciples seront exposés à un double danger. D'une part, il y a le danger d'être rejetés par ce monde, et d'autre part, il y a aussi le danger bien réel d'être absorbés par ce monde et d'y perdre leur identité de disciples. Jésus sait dans quelle situation et devant quelles difficultés ses amis vont se trouver après son départ. Jésus a expérimenté lui-même qu'à côté de l'accueil qu'il a rencontré auprès de bien des personnes, il a aussi été confronté à la haine et au rejet. Le monde a refusé d'accueillir sa parole parce qu'elle dérangeait ou parce qu'elle donnait mauvaise conscience. Et Jésus a même payé cette opposition de sa vie. Il sait que la même chose pourra arriver à ses disciples. Et pourtant, il les invite à ne pas se lasser de vivre de sa parole. Et il leur demande de propager avec courage son message. Aimez-vous les uns les autres. Mais nous savons que les disciples seront comme Jésus, inquiétés et menacés. Certains d'entre eux seront arrêtés et même condamnés et exécutés comme leur maître. L'autre danger qui menace les disciples, c'est qu'au lieu de convertir le monde, ils se laissent convertir par lui. Petit à petit,
ils pourront s'accommoder de l'air du temps et trouver normal toute une série de principes qui font tourner la société. La recherche effrénée des richesses, la loi du plus fort, la méfiance des autres différents de nous, le chacun pour soi. Cette séduction qui guette les disciples de Jésus en arriverait vite à affaiblir leur message qui alors n'aurait plus rien d'interpellant. L'esprit du monde reprend alors le dessus. On connaît bien cette parole de Jésus qui disait « Si le sel s'affadit, il n'est plus bon qu'être jeté dehors et foulé aux pieds. » C'est pour cela que Jésus prie pour tous les siens, afin qu'ils aient la force de se garder de l'influence pernicieuse d'un certain monde et qu'ils aient le courage de résister à la séduction du mauvais. Cette prière, le Seigneur ne cesse de la faire pour nous, ses disciples d'aujourd'hui. Il nous faut, comme Jésus, aimer le monde et oser lui donner ce que nous avons de meilleur. Mais pour cela, il nous faut rester profondément enracinés dans le Seigneur pour vivre et témoigner de sa parole. Être fidèle a toujours été difficile et nous l'éprouvons dans tout ce qui fait notre quotidien. Nous vivons dans un monde où tout nous porte au doute, à l'indifférence et peut-être aussi à l'oubli de notre foi. Il n'est pas toujours facile d'y être présent avec nos convictions. Le risque est bien là de nous laisser submerger et envahir par la culture ambiante. Dans ce monde crispé, manquant souvent de repères, le Seigneur nous envoie pour être ses témoins. Témoins dans tout ce qui fait toute la société d'aujourd'hui, mais aussi témoins dans le petit univers qui est le nôtre, notre famille, notre quartier, notre lieu de travail, notre espace de loisirs. Nous avons, en tant que chrétiens, quelque chose à apporter. Nous avons un message à proposer, discrètement, sans arrogance ni complexe, sans grand discours, mais en posant humblement des actes qui rendent compte de notre joie et de croire et de servir. Être chrétien, ce n'est donc pas vivre sur un petit nuage, loin des combats de la vie. C'est y être présent, en étant branché sur la source qui nous fait vivre avec le Christ, par lui et en lui. Nous n'avons pas à chercher à déserter le monde, mais à y habiter en témoin de l'Évangile. C'est notre vocation de baptiser. Tout autant qu'hier, le monde d'aujourd'hui est en quête de raisons d'espérer. Il a besoin d'une bonne nouvelle. Nous sommes tous et toutes responsables de faire circuler dans le monde l'Évangile vécu, l'Évangile mis en pratique. Et cela est bien autre chose qu'une affaire de propagande. À travers nos faits et gestes, doit passer quelque chose de l'amour et de la paix que le Christ veut offrir à l'humanité tout entière. Voilà la magnifique mission que le Seigneur nous confie. Et c'est pour la mener à bien qu'il nous promet le don de son Esprit.
soutenu par la prière de Jésus, en communion avec toute l'Église, ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Évangile de ce dimanche nous fait entrer dans la prière de Jésus. Que sa prière soit aussi la nôtre. Jésus prie pour que son Père nous garde fidèles. Garde mes disciples unis dans ton nom. Prions pour que l'Église persévère dans la foi, l'espérance et la charité. Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Que tous ils soient un. Prions pour que ceux qui sont séparés retrouvent le chemin du dialogue et vivent dans la concorde. Jésus prie son Père de nous délivrer du mal. Garde-les du mauvais. Prions pour que Dieu nous aide à résister au mal en faisant le bien et qu'il vienne au secours de ceux qui subissent l'injustice, la haine et la violence. Jésus prie son Père pour que sa parole s'enracine dans nos cœurs. Sanctifie-les dans la vérité. Prions pour que l'Évangile soit la lumière de nos vies, qu'il nous guide sur des chemins de communion et de fraternité. Seigneur Jésus, comble-nous de ton esprit afin que nous soyons au cœur du monde les témoins de ton amour. Nous t'en prions, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Eucharistie que nous allons célébrer, Seigneur, nous garde dans la fidélité à ton nom. En partageant ce pain et ce vin, nous reconnaîtrons que ton amour demeure en nous et que nous demeurons en toi, le Dieu qui se donne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de chanter ta louange et de glorifier ton nom, Père très saint, Dieu de tendresse et de fidélité. Nous te bénissons pour Jésus ressuscité qui nous donne en partage tout ce qu'il a reçu de toi. Par lui, tu nous appelles à prendre part à sa mission dans le monde. Porté par sa prière, tu nous gardes fidèles à sa parole et tu nous préserves du mauvais. Animés par l'Esprit Saint, nous demeurons unis dans la communion de ton amour et nous recevons la force pour en être tes témoins. C'est pourquoi nous voulons joindre nos voix à la louange des anges et de tous les saints et te rendre gloire avec toute l'Église en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Vaudru et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au moment de quitter ce monde, Jésus a prié pour ses disciples. C'est dans cette prière que nous entrons maintenant en disant avec lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, au moment d'entrer dans ta passion et de donner ta vie pour le salut du monde, tu as prié pour tes disciples. Afin qu'ils soient un, qu'ils demeurent fidèles à ta parole et soient préservés du mauvais. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de tous les baptisés qui forment ton Église, appelés à être dans le monde comme un levain dans la pâte.
pour que ta volonté s'accomplisse, garde-nous enracinés dans la paix de ton amour. Soutenus par ta grâce, nous deviendrons tes témoins partout dans le monde où tu nous appelles à tracer des chemins de paix et de fraternité en marchant avec toi, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur vienne dans vos cœurs et qu'elle soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Passera.
jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues se tairont, la connaissance passera, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois. La plus grande est la charité. Restons unis par la prière. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour cette célébration qui nous a fait entrer dans la prière de Jésus pour ses disciples. Puisque tu demeures avec nous et en nous, c'est en toute confiance que nous te prions. Garde-nous au long des jours fidèles à ta parole de vie et accueillants au don de ton esprit. Lui qui nous donne l'audace et la force de nous aimer les uns les autres, à l'exemple de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Caeli, Laetare, Alleluia. Quia quem eruisti portare. Je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine.